s'il vous plaît. Je suis Friday, assistante virtuelle de Monsieur Stark et votre hôte pour l'événement d'aujourd'hui. Dans quelques instants, Tony Stark va vous présenter, ici à la Stark Expo, sa dernière contribution pour un avenir meilleur. Cet événement va également être retransmis en live à travers l'Europe par Stark TV. Alors n'oubliez pas de sourire. Nous prendrons l'antenne dans 5, 4, 3, 2, 1. À toi, Friday, pour ces gentillesses complètement improvisées. Et récité à la virgule près, Tony. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour ces magnifiques danseurs. Vous êtes content d'être ici? Et vous avez raison. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler quelque chose de super cool et qui va nous propulser dans le futur. Je me suis associé avec le Wakanda pour créer un nouveau réacteur ARC utilisant la technologie du vibranium. Grâce à la thermodynamique, ce bijou peut créer une source inépuisable d'énergie verte. J'aurais adoré être parmi vous, mais Pepper m'a rappelé poliment qu'aujourd'hui c'était notre anniversaire, ou quelque chose comme ça. Mais ne soyez pas déçus, j'ai invité quelques amis qui veilleront sur votre sécurité. Je dois y aller. À vous les studios! Vérification des caméras de sécurité. Et maintenant, veuillez accueillir la plus forte et la plus talentueuse des agents du SHIELD, Natasha Romanoff, Black Widow! Bonjour à tous, heureuse d'être ici. Puis-je récupérer la mallette? Merci, vous pouvez partir. J'ai dit partez! Si c'est une blague, elle est très mauvaise. Où est le réacteur ARC? Activation du mode sécurité renforcée. Scan de la zone. Réacteur ARC non détecté. Mitromanov, je suis là-haut! Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui l'ai! J'ai le réacteur ARC! Monsieur Stark m'a demandé de l'apporter avant le début du show, mais... Très bien, si tu veux bien avoir la gentillesse de le descendre... J'arrive! Attention les yeux! Hé! Hey, c'était classe, hein? Désolé.
désolé du retard, mais je suis passé à côté d'une boulangerie et j'ai vu cette cheesecake au caramel. J'ai pas pu résister. Vous avez déjà goûté le cheesecake au caramel? Oh là, c'est tellement bon! Super, on enchaîne? Monsieur Stark m'a bien dit de ne le donner à personne. Tu peux me le donner, je suis une Avenger. Et pas toi, Spider-Man. Je sais, je sais. Tout va bien, Miss Romanoff? Je me sentirai beaucoup mieux quand j'aurai le réacteur. J'ai rien fait! Perturbation cosmique à l'approche de la Terre. Dépêche-toi de me donner ce machin! Ça, c'était pas moi non plus! Salutations à tous! Wow! Black Widow et Thor! Tout va bien par ici? Tout va très bien, Thor! Ouais! Monsieur Stark m'a chargé de m'occuper de tout, donc c'est cool! Très bien! Mon frère Loki a disparu d'Asgard et le Bifrost est resté ouvert. Il m'a amené jusqu'ici. Ton demi-frère n'est pas là, tu peux retourner sur Asgard. Quant à toi, gamin, donne-moi ce réacteur! Natasha, ça va? Ouais, vous avez l'air d'avoir chaud, non? Tout va bien! Vous avez pas l'air très en forme. Cela doit être l'ombre de Loki. Il est tellement fourbe. Je suis un dieu. Demi-dieu. Et pas aussi fort que Thor. Pas aussi fort que Thor. Assez. Je demande comment elle arrive à bouger dans cet accoutrement. Loki, mais pourquoi fais-tu ça? J'en étais sûr. Spider-Sense. Tu es tellement perspicace. Je te ramène à Asgard. C'est une offre intéressante, mais j'ai d'autres plans en tête. Vivant ne peut soulever Mjolnir, à moins d'en être digne. Non. Comment tu dis Mjolnir? Mjolnir. Mirmir. Non, Mjolnir. Mjolnir. Bon, répète après moi. Oh non, je suis désolé d'interrompre cette conversation très stimulante. Mais puis-je voir le réacteur? Mon frère, mais pourquoi désires-tu tant avoir cet engin? Ses pouvoirs sont bien faibles comparés aux nôtres. Non, c'était pas pour moi. C'est pour échanger avec un ami. Alerte invasion. Alerte invasion. Ah, et le voici. Bienvenue, crâne rouge. Vous avez le réacteur? Presque. Je vois que vous avez le coffret. En effet. Le coffret des hivers anciens. Le quoi, du quoi, de quoi? C'est une arme dangereuse, capable de geler une planète entière. Les Asgardiens pensaient qu'elle avait disparu. Bonne nouvelle, Crâne Rouge l'a retrouvée. Et eu la gentillesse de proposer un échange. Le réacteur Arc contre le coffret. Il obtient un pouvoir illimité. Et moi, je deviens maître des 9 royaumes. Allons-y. Désolé, Lacroix, mais le réacteur n'ira nulle part. Comme c'est charmant, mais je m'étais préparé à ce revirement de situation. Natasha!
Libérez-la ou assumez les conséquences. Hydra, à l'attaque. Activez le coffret. Avec plaisir. Mon frère, arrête ça! Tu ne sais pas ce que tu as! L'est-il? Je t'ai interrompu. Wow! En fait, vous êtes le pire frère du monde. Oh, j'ai bien cru qu'il n'allait jamais se taire. Bien. Miss Romanov. Apparemment, il ne reste plus que vous. Comment comptez-vous nous arrêter? Lâchez ce coffret et je vous montre. Je ne crois pas. Et maintenant, peuple de la Terre, à genoux devant votre maître. C'est impressionnant. Je peux? Bien sûr. Évidemment, il vous faut les pouvoirs d'un dieu pour l'utiliser. Ah, mais j'ai le pouvoir d'un réacteur ARC. Que vous faites? Je n'ai jamais aimé partager mes jouets. Je garde les deux. Comment osez-vous? Vous n'êtes rien comparé à moi! Oh! Maintenant à genoux. Je suis un dieu! Vous n'êtes plus rien. À votre tour. Forte perturbation d'énergie à l'approche de la Terre. Madame, j'ai pas le droit de t'interroger. Ah, encore un clown qui veut sauver le monde. Avec moi, Captain Marvel. Désolé, mais je crains que vous n'arriviez trop tard. On fait ça à la dure. Hydra, préparez-vous. Ok, on va faire ça à la dure. Je suis plus puissant que tu ne le penses.
silence, crâne d'œuf. Rends-toi et je serai sympa. Jamais. Vous l'avez désintégré. Je suis sûr qu'il va revenir. Ils reviennent toujours. Merci d'avoir répondu à mon appel. C'est normal. Qu'est-ce que je fais de la grande brune, là? Je vais ramener mon frère à Asgard moi-même. Je crois qu'il a appris une bonne leçon aujourd'hui. Crois ce que tu veux, mon frère. Bon, tout me part en ordre, alors je vous laisse. J'ai des choses à faire, des planètes à sauver. Inutile de m'attendre. Blablabla, plus vite, baby. De Monsieur Stark. Oh non, c'est Monsieur Stark. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je sais pas. Une autre des inventions a encore failli causer la fin du monde. Beau boulot. Alors mon grand, comment ça s'est passé? Ils ont aimé? Eh ben Monsieur Stark, ils ont adoré. Pas vrai les amis? Évidemment. À bientôt pour de nouvelles inventions. Merci d'avoir assisté à la présentation de Monsieur Stark. Passez une bonne journée. Fin de transmission.